Ravi de te voir. Nous sommes alliés aux Shropshire, mais à un prix élevé. Le jeune Cheolbert a été tué. Oui, mes éclaireurs me l'ont appris. Une perte tragique pour un gain aussi douteux. J'espère que ces meurtriers ont payé. Justice a été faite. Cheolbert restera dans nos mémoires. Il fut d'un commerce agréable le peu de temps qu'il séjourna parmi nous. C'est vrai. J'aimerais voir la carte des alliances. Dis-moi plus sur le Kent. Basim a envoyé un courrier. Il dit avoir trouvé cette Fulke et demande ton aide. Il s'est réfugié au prieuré de Saint-Adrien. Des nouvelles de Sigurd ? Il n'en donne aucune. Mais s'il a trouvé Fulke la Palatine, Sigurd ne saurait être loin. J'irai dès que je le pourrai. Bien. Prudence, Eivor. Dag, Basim nous a indiqué où se trouve Sigurd. Nous partons le chercher tout de suite. Bien, Eivor. Après tout ce temps, il te vient enfin à l'esprit d'aller chercher notre Jarl. J'applaudis ton effort si spontané, mais je ne viendrai pas avec toi. Dag, je ne plaisante pas. À bord, maintenant. Quelqu'un doit rester ici pour s'occuper des affaires courantes de la colonie. Et comme tu sembles fuir ce lieu dès que l'occasion se présente, ce devoir me revient. La vie de Sigurd est en jeu. Nous avons besoin de toi. Non. Ma place est ici. Doutes-tu de moi au point de refuser de brandir ta hache pour sauver ton Jarl ? C'est une description assez juste, ami des loups. Mais va donc, trouve le Jarl et ramène-le. Tâche simplement de ne pas t'égarer en chemin, comme cela t'arrive de plus en plus souvent. Je n'en ai pas fini avec toi, Dag. Nous en reparlerons.